message de Jésus au sujet de la loi. Jésus a fait de fortes déclarations au sujet de la loi. Il ne se limitait pas qu'à faire un témoignage, mais il a donné des mises en des avertissements. Il dit dans Matthieu le chapitre 5 du verset 17 au verset 19, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Jésus a dit en d'autres termes que tous ceux qui parleront contre la loi en mon nom, sache que ma position, c'est que je suis pour la loi. Je ne viens pas pour l'abolir comme il prétend, mais je suis venu pour la compléter. Et Jésus parlait d'un type de loi précis. La loi que Jésus a accomplie, c'est la loi cérémonielle. C'est l'ombre de choses. Il n'a pas aboli la loi cérémonielle, mais accompli. De quelle façon? En mourant sur la croix. Là où on sacrifiait des taureaux, des bœufs, des agneaux, on transférait le péché des hommes sur les bêtes. Jésus a porté le péché sur la croix. Il est mort. C'est pourquoi il a dit que je suis venu pour l'accomplir. Et il a accompli cette loi à la croix. Que personne ne vous trompe que la loi a été aboli par Jésus. C'est une erreur. C'est une fausseté. C'est un faux enseignement. C'est une hérésie. Et la Bible condamne cela. Le Bible est pourquoi Jésus continue jusqu'au verset 19. Il dit, tant que le ciel et la terre subsistent, le verset 18, tant que le ciel et la terre subsistent, il ne sera retranché de la loi pas un seul trait. Là-bas, il brandit maintenant la loi morale. Il brandit maintenant les comme j'ai accompli la loi cérémonielle, il y a un autre type de loi qui n'observera pas ces lois et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Et tout celui qui observera ces lois et qui enseignera à d'autres personnes à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que les pasteurs que vous voyez dans ce monde, ils remplissent les églises, poussent comme des champignons dans le monde. Ils ne sont pas aussi grands que ce que vous voyez dans vos yeux. Ce sont des petits au moment où ils vous induisent dans la désobéissance. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le Christ qui parle. Que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un ancien, que ce soit un diacre, que ce soit un évangéliste, que ce soit un docteur de Dieu. Dès l'instant où wana, il vous enseigne à négliger les commandements de Dieu, la parole de Dieu déclare clairement qu'il est petit. Dieu le voit petit. Mais vous qui observez ces choses et autrement, à les observer, Dieu dit que vous êtes grand. Même si on ne vous connaît pas ici, dans ce bas monde, dans le monde des cieux, on vous connaît. Même si on ne parle pas de vous dans ce bas monde, dans le royaume des cieux, on vous connaît. Même si on vous néglige ici, on ne vous prête pas au rey, dans le royaume des cieux, Dieu vous accorde l'attention parce qu'il vous considère comme étant des grands. La grandeur d'un homme, c'est dans l'obéissance. Sans l'obéissance, même les sacrifices, les holocaustes, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen.